30 ans de création ornent les murs du nouveau musée Bienne. Marie-Françoise, membre de la grande famille d'artistes Robert, a créé près de 2000 œuvres ces dernières années. Je suis tout à fait étonnée, abasourdie, admirative, parce que je ne me souvenais plus d'avoir fait tant de choses. Quand je fais les choses, je les range dans des cartons, ça reste un moment sur mes tables, puis après je les élimine pour avoir plus de place pour les suivants. Donc j'ai complètement oublié d'avoir fait certains collages qui sont ici. Le nouveau musée Bienne a décidé lesquels de ces milliers de tableaux seront exposés. 217 ont été sélectionnés. De faire une exposition dont on a la chance de choisir de tant des œuvres, quelques pièces pour faire une exposition, c'est pas tout à fait facile, mais on a bien sûr eu un concept et là on a quand même réussi. Les œuvres sont triées par thème, comme les sonorités anciennes, les portraits imaginaires ou encore les signes de vie. En plus des collages de Marie-Françoise Robert, d'autres tableaux sont également à découvrir. Ce sont ceux de Jerry Angeli, le fils de Marie-Françoise Robert. C'est un grand plaisir pour moi, c'est familial, comment dire, je suis très fier de ma mère d'un côté, de voir toutes ces œuvres que je n'ai jamais vues accrochées dans un espace si grand et dans une densité comme ça. C'est fascinant pour moi et c'est clair, ça me ouvre aussi. L'exposition Métamorphose sera à découvrir à partir de ce samedi 13 août à Bienne.